Eh bien bonsoir mes loulous, c'est Tonton Tomic sur Forza 6 et c'est la dernière course. Voiture inadéquate. Ouais, bon bah vas-y, parce que je lui ai fait un petit changement, donc elle était passée à la classe supérieure, donc je l'ai rétrogradée en fait. Voilà. Bon bah tant pis, c'est pas grave. Voilà, ok. Donc 6 sur 6, ok, on continue, c'est parti. La course suivante a lieu à Watkins Glen, transformée en circuit permanent en 1956. Transformée en circuit permanent, ça veut dire que c'était une daube avant, quoi. Donc voilà, ça va être une petite vidéo toute courte ce soir, là, juste une sur une course, voilà, pour histoire de finir ce petit championnat. La section Grand Tourisme, et parce que voilà, j'ai scotché ce soir sur les soldes. Les soldes, franchement, de jeu, ça, c'est assez pas, hein, tout ce qu'il y avait. Donc je me suis fait plaisir avec un petit jeu, là, je me mettrai dessus, là, dans pas longtemps, à mon avis, avec le petit frère, on va se mettre sur la gueule, sur Chevalerie. J'ai vu des vidéos sur YouTube, ça m'a bien donné envie, ça m'a fait baver. C'est bien sanglant, c'est bien délirant. Donc je pense qu'on va rigoler. Mais en attendant, on est sur Forza 6, on va commencer la course, action! Toujours avec ma petite Lamborghini, toujours en vue à la première personne. C'est une piste large. Ça me plaît. Ça me plaît bien. Même si j'ai vu de l'herbe. Ah! Allez, démarrage en trombe, pas mal. Alors l'autre, il va essayer de me doubler sur la gauche, sur la droite. C'est pas question. Je t'emmerde. Allez, première. Passage un peu chaud. Voilà, on se stoppe un peu. Hop, 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 on chasse pas trop. Ça va, on reste dans la meute de devant. Ah, un petit coup sur la peinture, dommage, j'ai perdu du temps. Alors on va se faire la course et à se refaire à la conduite. Pas sûr que je l'ai du premier coup cette course, hein, du coup. On va voir. Il faudrait que je la finisse au moins premier quand même, bordel. C'est la dernière. Allez, j'ai voulu le passer sur la droite, est-ce que ça va passer? Pas gagné. Ah, peut-être que si, ouais, ouais, en vitesse pure. Le gratuit là. Allez, n'oublions pas que c'est les drifts avec cette caisse. N'oublions pas les drifts, bordel de merde. Ah, la mon papa out. Ah, on s'est rabattu la salope. Hein. Elle a pas voulu me laisser passer. Ah, toujours 11e. Un autre virage. Allez. Elle me plaît cette course, elle me plaît, enfin cette piste surtout. On va reprendre la conduite, ne vous inquiétez pas. Jusque là j'ai laissé passer le week-end, je me suis détendu devant la saison 5 de Teen Wolf qui venait de débarquer sur Netflix. Je m'en suis fait plaisir, j'ai adoré, j'ai enquillé toute la saison en un week-end, c'était pas, c'était génial. Allez, j'en ai profité de l'herbe, ah là c'était parfait ça. Oui, dommage, j'ai perdu de la vitesse, du coup le team redouble, mais c'est pas grave, j'ai quand même gratté quelques places. Allez, du drift, s'il te plaît. Bam! Ah là, il s'est rabattu, il va me projeter dans les barrières, le salaud. Ah, l'enfoiré. Je croyais avoir bien gratté. Mais non. Allez, on pousse un peu. Oh, l'herbe. À gauche, à droite. Eh ben oui, quand on chasse d'un côté, généralement, on chasse de l'autre. Voilà, ça m'a fait flipper. Allez, faut que je le gratte sur l'extérieur. Ah! Si je pouvais le pousser un peu dans l'herbe. Voilà. Je suis un enfoiré. On est au deuxième tour sur 6. On a 6 des tours. J'avais même pas fait attention. Et on est à la 6e place. 6 tours, 6e place. Parfait. Ça me plaît tout ça. Allez, vert dans ton cul. Allez. Est-ce que je l'ai fait chasser ou pas? Non, pas assez. Dommage. Alors en vitesse là, je prends l'aspiration entre le mur et la bagnole, est-ce que ça va le faire? Pourvu qu'il ne se rabatte pas. Toi aussi te rabats pas, s'il te plaît. Voilà. Oh là, c'était propre. Je suis troisième. Ça y est, j'ai repris mes marques avec ma petite Lamborghini. Je rappelle que c'est une de mes bagnoles, voire ma bagnole préférée sur Forza. Qu'est-ce que j'avais kiffé à conduire déjà sur Forza 5. Et pourtant c'était la Countach, hein. C'était pas encore celle-là, je crois. Non, c'est bien sûr.
Je suis pas très loin des premiers, je suis pas très loin. Surtout qu'il y a un gros virage là. Ils vont se ralentir, moi. Ah, j'aurais pas dû prendre la petite débord. Allez, encore un drift, voilà, merci pour lui. On s'est rapproché, c'est bien. Il reste, on est à la moitié de la course. On est très bien placé, moi je dis. Très très bien. Ah, et puis là, ils ont ralenti comme des porcs. Bim, allez. Ah, par contre, je l'ai boosté, dommage. J'aurais dû le prendre un peu plus sur le coin. C'est pas grave, allez, tourne. Ouais, nickel, j'ai pas lâché l'accélérateur. C'est parfait. Gros virage devant. Rate-moi cet enfoiré là. Ah, et puis là j'ai trop viré. Ouais, dommage le drift là. On passera. C'était pas aujourd'hui. Ah ouais, mais là, on est obligé de ralentir. Oh l'herbe de merde. Ah, j'ai merdé. Ok les copains, on y retourne. À l'attaque. Ah zut, du coup ils ont pris une bonne distance. Hein. Oh, j'étais que. J'ai voulu prendre trop de risques, voilà. Trop de risques. Allez. Non, mais pourquoi t'as chassé comme ça? Oh, elle a drifté, mais de mauvaise manière. J'avais pas pris assez de vitesse, apparemment. Oh, puis les autres, du coup, ils me rattrapent, ils sont pas loin. Oh, non. Quatrième tour, il m'en reste deux. Allez, maintenant, bah, j'ai plus qu'à faire en sorte que ce soit nickel. J'ai pas compris le drift de tout à l'heure. Je sais pas, est-ce que c'est mes pneus qui commencent à être usés à force de drifter? On va se demander. C'était pas trop moche comme virage, on a vu mieux, mais bon. Allez, plus que deux tours là. Oh. Voilà. C'est pas mal, virage correct, ouais. C'est ce que je me disais. Comme dirait l'autre, ce qui est bien, mais pas top. Voilà, là c'est mieux, c'est beaucoup mieux. On se concentre. Ça se demandait, ouais, voilà, sur la piste, là, niveau du coin qui était un peu défoncé, c'est pas là qu'on chasse un peu. Est-ce qu'ils auraient été assez vicieux pour faire en sorte que sur la piste, il y ait des pièges? Ça ne m'étonnerait pas d'eux. Attention, pas trop comme tout à l'heure, voilà. Là, je le sais maintenant, c'était au même endroit, voilà, j'ai failli refaire la même bêtise, mais non. Ah la vache, ça va être tendu jusqu'au bout. Hein. Jusqu'au bout pour la dernière. C'est très rare quand je fais une course tranquille sur Forza. Très très rare. Allez, là je freine et je raccélère, hein, voilà, pour pas trop perdre. Ça, parce que l'autre là, ouais. Si j'avais touché, j'étais encore en mauvaise posture. Hein. Un moyen de vous dépasser, bande d'enfoirés. Vous êtes plus que deux devant moi et vous êtes vraiment juste devant. Hein. Allez, ce coup-ci, là, ce virage-là, il faut bien me le prendre. Voilà, celui-là aussi. Allez, oui, je ne touche pas. Très bien. Parce que là, j'ai pris de la vitesse, ma poule. Et ouais. À gauche, à droite, je m'en fous, mais passe-le. Oh putain, oh putain. C'est un virage de porc ça. Et pourtant c'est là que je pourrais les gratter. Et là. Putain, il reste rien. Là. Ça doit être le dernier virage au bout, je crois. Non, il y en a deux. Prends l'extérieur, allez. Tous les risques. Tous les risques, ma poule, tous les risques. Oh putain, pourtant je le prends bien, hein, mais non. Ça va être trop chaud. Troisième, ça me plaît pas. Juste sur la ligne d'arrivée, troisième, ça me plaît pas. J'ai dit que je voulais finir premier. Ah bah ouais, non. Pas question. On se la refait. Oh, je suis tendu. Ah, sur la fin, c'est dommage, ouais. Deux, trois fois, j'ai pas réussi à les doubler. Bon, ben.
Là, du coup, on va essayer de se venger méchamment. Essayer de finir vraiment tout premier, mais de manière assez parage. J'ai démarré bien tard, bien tard. Du coup, les autres, ils vont me pousser au cul. Mais si vous le faites tout droit, ça me va. Ça me va. Ah oui, j'ai fait un démarrage de merde. J'étais concentré plus sur la course que sur le démarrage. Je sais pas ce que j'ai fait. C'est pas grave. Allez. C'est pas une méchante remontée à faire. Le problème, c'est que c'est le tape-cul dès le début. Eh non, j'ai voulu ralentir, mais ça n'a pas marché. Attends, je la connais maintenant, cette courbe, bordel. Voilà, voilà, voilà. J'ai une bonne vitesse, c'est une bonne inspiration. Ah, pousse-toi. Le poussin. Allez, on se pousse, c'est pas grave. C'est dans la bonne entente, dans la bonne humeur. Et là, on va gratter sur l'extérieur, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Non, je suis pas de l'autre côté, petit sagouin. Tu m'as vu, hein. Allez, sur l'intérieur, est-ce que ça passe? Oui. Allez, poum, toi je te pousse. Allez, poum, toi aussi. Ça n'a pas suffi pour l'autre. Allez, allez, le virage bien propre, bien propre, bien propre. Ah ouais, ça c'était propre. Du coup, là, je vais bien accélérer. Et voilà. Là, je vais en gratter un ou deux. Là. Allez, à moins qu'il se rabatte d'un seul coup comme un porc. Voilà, bien. On est pas mal, on est quatrième et là, on est qu'au deuxième tour. C'est tout de même un peu mieux que tout à l'heure. Oh oui, je l'ai fait. Oh génial, génial. Super califragilistique, espialé diocieux, moi je dirais même. Wouhou, je vole. I believe I can fly. Oh, oh cette vitesse que j'ai pris. Du coup, je l'ai gratté en pure vitesse. C'était magique. Allez, maintenant, on est premier. Il n'y a plus personne pour nous faire chier devant. Quoique, le petit rouge, là, il n'a pas, pas décidé de se laisser faire. Mais je vais te gratter, ma poupoule, à moins que je fasse une grosse bêtise. Mais je n'en ai pas l'intention. Surtout que j'ai vraiment envie de finir pleine balle. Avec une Lamborghini. Non, je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas faire autrement, les copains. Allez, c'est le virage là, voilà, tu lâches un peu, c'est pas grave, et tu accélères. Bam. Allez, trois tours à faire, en ligne droite, enfin en ligne droite, je me comprends. Pas trop, juste ce qu'il faut, voilà, bien. Voilà. C'est celui-là qui est traite parce que... Gauche-droite, mais vous arrivez, mais trop vite. Trop vite. C'est super chaud à contrôler. Allez, va, et encore une ligne droite. Et en plus, je suis arrivé, mais vraiment nickel, sans lâcher l'accélérateur. S'il vous plaît. J'ai rien réussi à le faire. Ne pas lâcher l'accélérateur une seule fois jusqu'à la fin, ce serait que du bonheur. C'est tellement trippant. Quand vous faites ça, mais la vue que vous mettez aux autres derrière... Déjà que c'est commence à faire. C'est exactement ce que je voulais faire pour finir. Allez, on va continuer à rester concentré, bien propre. Parce qu'elle vire tellement bien. Continuez à me faire plaisir comme ça, ma belle. C'est que du bonheur. Hop là, par contre, là, je suis obligé de lâcher l'accélérateur un tout petit peu. Ah, j'arrive un peu trop vite. Du rail de sécurité et de l'herbe, ça me plaît pas. Il suffit en plus que vraiment je le prenne mais méchamment, ça vous bloque direct. Et là, adios muchachos, c'est la fin des haricots. Rentrez chez vous, la queue entre les jambes. Et mastivez vous ce que vous voulez. Allez, vas-y. Voilà. Reste concentré, s'il te plaît, parce que là, tu es en train de chasser un peu à droite, à gauche. Tu lâches pas l'accélérateur, c'est bien, mais il faut réussir à contrôler. C'est tout. Allez, encore deux tours à faire. Regardez-moi cette vue que je leur mets. C'est un truc de porcos. Si je regarderai la vidéo, parce que là, je suis tellement concentré sur un route. Je ne veux rien lâcher.
Je regarde même plus ce qu'il y a derrière. D'ailleurs, de toute façon, il n'y a plus rien derrière. Donc, il n'y a rien à voir. C'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a devant. Même le petit bonhomme là, qui se balade. Qui est gonflé à l'hélium, je sais pas quoi. Allez, vas-y, direct. Ralenti, accélère direct. Voilà, comme ça, c'est bien. On perd quasiment pas de vitesse. Et voilà. Je l'ai encore au fond, moi. C'est pas bien. Ils essayent de faire ce qu'ils peuvent pour m'attraper. Mais là, je crois que c'est peine perdue, les mecs. Sur cette aire. Enfin, sur ce bitube, en l'occurrence. Voilà. Là, là, par contre, là, c'est bien. Là, je te prends une accélération. Mais... Oh, vas-y. Oh, les sensations de ouf. Ok. Grosse ligne droite. Et on a encore un tour à faire. Incroyable. Incroyable. Est-ce que la madame va encore me demander et vous voulez augmenter la difficulté à 13 habile ou bon? Parce que là ça devient juste indécent ce que vous leur faites subir aux gens là, hein. C'est pas bien ça monsieur, faut arrêter hein. Non. C'est très rigolo aussi, parce qu'il faut quand même maintenir une certaine concentration. Hein. C'est pas le tout des choux d'arriver comme ça premier, mais... Voilà, par exemple, là, j'ai failli chasser comme un porcos, comme... Et par contre, là, j'ai pas l'accélérateur. J'ai pas lâché l'accélérateur dans le virage. Yes. Très bien. Trop bien. Je veux dire, je vais pas m'en plaindre. Allez, on lâche rien. Voilà, un petit coup d'air, mais c'est pas grave. Ça nous ralentit juste ce qu'il faut. Pour bien tourner. Allez, vas-y, reste accroché, très bien. Dans l'autre sens, voilà, on le fait bien depuis tout à l'heure, je vois pas pourquoi on le ferait bien, on le ferait mal maintenant. Allez, tour à toi. Mais on finit, au-delà. Allez. Sinon, en plus, ils nous ont mis la musique badass pour finir. Le championnat, ça me convient très bien. Non. Oh, comment j'ai freiné. Ah, désolé. La petite frayeur de fin. Il en fallait bien une, là, je commençais à déconner. À me taper des petits délires. Allez, voilà. Voilà, c'est la peur de gagner. C'est la peur de gagner, les copains. Arrêtez. Ah, reste concentré jusqu'au bout. Voilà, allez. Là, tu ne lâches pas l'accélérateur, histoire de finir en beauté. Voilà. Très bien, très bien. Wouhou. Eh ben, j'ai voyé plus sur la carte, j'ai voyé plus dans le rétro. C'est exactement ce que je voulais. Ouah, argent, bim. Et bim. Oh, paf. Niveau 22, ouais, on commence vraiment tout petit. Ah, je sais plus à combien j'étais arrivé sur Forza 5, mais c'était pas mal. Je vais être pas loin des 200. Et ben voilà les copains, voilà une petite soirée qui se termine bien cool. Ben comme je vous l'avais dit, hein, je vous laisse sur ma belle Lamborghini, tout d'or vêtu, avec les pets bien sûr qu'elle a reçues, la pauvre. Oh ma belle, va falloir passer au garage. Hein. En deux questions que je te laisse dans cet état. Allez, tchuss mes loulous, et je vous dis sûrement demain soir pour de nouvelles aventures. Ciao.